Bonjour, c'est Aude de Écologie Citadine. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de te parler, de m'adresser à toi sur un support un petit peu différent de d'habitude, parce que je voulais vraiment prendre le temps de t'expliquer qu'est-ce qui se passe sur Écologie Citadine et qu'est-ce que tu vas pouvoir attendre de ma part et ce qui va se passer sur ce site dans les temps futurs. Donc vraiment, qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter à toi et de décider, en fait, tout simplement, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de continuer à me suivre ou si pas du tout. Et pour comprendre un petit peu tout ça, je voudrais t'expliquer avant tout, voilà, Écologie Citadine, c'est né de quoi ? C'est né, en fait, de mes deux grandes passions. Je suis quelqu'un qui est vraiment curieux, qui s'intéresse à plein de choses, qui apprend tout le temps en permanence. Autant vraiment, j'ai deux sujets qui ne me quittent pas et je pense qu'ils ne me quitteront jamais depuis que je suis très jeune. Et ces deux sujets, c'est devenir une meilleure personne et l'écologie. Alors, devenir une meilleure personne, on pourrait dire aussi, j'aime bien cette expression, devenir une meilleure version de soi-même, c'est quelque chose qui, tout simplement, a changé ma vie littéralement. C'est-à-dire que quand j'étais adolescente, j'étais quelqu'un qui était très en colère, qui avait du mal à accepter beaucoup de choses, qui m'énervait beaucoup. Je ne savais pas quoi faire de ma vie, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi au niveau amoureux, au niveau familial. C'était vraiment n'importe quoi. Mais en fait, j'étais pas d'accord avec ça. Je savais que ça n'allait pas, mais je ne concevais pas que les choses restent comme ça pendant toute ma vie, je n'étais pas d'accord. Et donc, je me suis vraiment, vraiment donné les moyens de changer. Et pour ça, en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai appris, j'ai lu beaucoup, j'ai beaucoup discuté avec plein de gens. Je prends toutes les opportunités de rencontre aussi, d'apprendre des autres qui sont peut-être passés par les mêmes choses que moi ou qui auraient tout simplement des expériences à partager avec moi. Et aussi, j'ai eu la chance de suivre une thérapie en kinésiologie. Donc, si tu ne connais pas la kinésiologie, c'est une médecine douce, on va dire. Ça fait partie de ces thérapies douces, comme il y en a d'autres aujourd'hui. Mais c'est vraiment celle qui, moi, m'a vraiment le plus attirée et qui sert vraiment à libérer tous ces blocages, toutes ces programmations qu'on a dans la tête et qui nous empêchent, en fait, d'être pleinement nous-mêmes et de s'en sentir bien dans nous-mêmes. Donc, de s'en sentir bien avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui, en fait, moi aussi, j'ai décidé de devenir kinésiologue pour vraiment, à mon tour, pouvoir permettre à d'autres gens, eux aussi, de changer leur vie, en tout cas de contribuer à changer leur vie, que ce soit en cabinet ou je fais également des consultations à distance. Voilà, j'ai vraiment cette chance inouïe de pouvoir aider les gens à s'améliorer dans leur vie. Et il faut savoir que cette activité de kinésiologie, elle fait partie de Écologie Citadine. Elle fait partie de l'entreprise Écologie Citadine. C'est-à-dire que quand un client me paye pour une séance, l'argent ne va pas directement dans ma poche, il va dans les caisses de l'entreprise Écologie Citadine avec laquelle j'espère pouvoir un jour, moi, me rémunérer et gagner ma vie. Et la deuxième, ma deuxième passion, c'est l'écologie, hein, comme tu peux t'en douter. J'ai du mal à savoir quand est-ce que exactement j'ai commencé à m'intéresser à ça, mais je me revois quand j'avais 14 ans en train de me disputer avec mes parents parce que j'étais pas contente qu'ils utilisent des serviettes en papier jetable alors qu'on pouvait utiliser des chiffons. Enfin voilà, c'est quelque chose qui me suit depuis très très longtemps. Et le truc avec l'écologie, c'est que quand on analyse un petit peu plus pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à ce sujet, qui est quand même un sujet qui est de plus en plus présent et préoccupant. Moi, je vois vraiment deux grosses raisons à ça. Et ce sont deux raisons qui me concernent aussi personnellement, mais à différents niveaux. Et la première raison, c'est la peur. Malheureusement, en fait, quand on parle de ces sujets, comment changer ses habitudes, que faire pour bien recycler, faire du zéro déchet, j'en sais rien.
souvent, on passe par la peur et par une sorte de culpabilité, en fait. Si je ne fais pas bien, voilà, je vais tuer la planète. Oui, mais si je fais ça, y a ça. Donc, il y a un processus qui est très, très culpabilisant avec je n'apprécie pas beaucoup. Il faut bien reconnaître que moi-même, l'une des raisons qui me motive à m'intéresser à ça, c'est que, oui, j'ai peur que... avec le réchauffement climatique, avec tout ce qui se passe, voilà, tous les animaux qui disparaissent de manière massive. Enfin, on est en train d'assister à un changement complet qu'on ne peut plus ignorer. Oui, je me demande, est-ce que dans 20 ans, on sera toujours là? Est-ce que l'humanité sera toujours là? Ou en tout cas, si on est toujours là, est-ce que ce sera... avec ces conditions qu'on a maintenant, enfin voilà, c'est quelque chose qui me fait peur. Et en même temps, c'est pas sur cette peur que j'ai envie de capitaliser, parce que en fait, la peur, c'est quelque chose qui est bloquant, et surtout, c'est quelque chose qui, sur lequel, on n'a pas d'emprise, quoi. Oui, je sais pas ce qui va se passer dans 20 ans, mais ça, réchauffement climatique ou pas, je ne sais pas ce qui va se passer dans 20 ans, et quelque part, me focaliser sur ce qui va se passer dans 20 ans, sur lequel je n'ai aucune prise maintenant, à part me déprimer et me bloquer ou me culpabiliser, je trouve que c'est pas très constructif. Et du coup, c'est pas non plus ce que j'ai envie de te faire passer à toi. J'ai pas envie de te culpabiliser, j'ai pas envie de te faire peur, j'ai pas envie de te balancer des chiffres à longueur de temps sur... tel ou tel sujet pour t'affoler et te faire prendre enfin conscience de la manière dure que ça y est, il faut se bouger. Non, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce que, en fait, voilà, ce qui me fait venir à la deuxième raison, pourquoi est-ce qu'on peut s'intéresser à la protection de la planète ? Et là, c'est une raison complètement égoïste. C'est-à-dire que, en fait, s'intéresser à ça, et ça, c'est vrai de plein de manières possibles. En fait, c'est quelque chose qui, si on ne le prend pas du prisme de la peur, c'est quelque chose qui rend heureux. Et moi, c'est ce que je ressens, en fait. On a le sentiment de faire quelque chose d'utile. On a l'impression quand même de prendre un peu les choses en main, ce qui est quand même on ne sait pas ce qui va se passer dans 20 ans, mais je peux quand même prendre les choses en main sur ce qui m'arrive aujourd'hui. Et ça, c'est quand même très rassurant. Et surtout, en fait, je vois tout ce que ça m'apporte dans mon quotidien. Pour moi, en fait, l'écologie, le fait de s'intéresser à ce sujet, c'est du développement personnel en soi. Vraiment, toutes les personnes que je rencontre qui sont dans ce milieu, voilà, si on élimine les personnes alarmistes, c'est des gens qui sont heureuses, c'est des gens qui sont bien dans leur peau, c'est des gens qui sont épanouis. Oui, on a toujours des exceptions, des gens qui vont essayer de culpabiliser les autres et tout ça, mais encore une fois, ces gens font beaucoup de bruit, mais malheureusement, mais ce ne sont pas la majorité. La plupart des gens qui sont dans cette grande thématique, ce sont des gens qui sont bien dans leur basket, en fait, tout simplement. Et c'est aussi que c'est quelque chose qui est donnant-donnant, c'est-à-dire que je suis persuadée que en donnant aux autres, et ça, pour le coup, il y a plein d'études qui le prouvent, plus on donne et plus on se sent bien soi. Et en même temps, il faut être bien soi pour pouvoir être capable de donner et de s'intéresser aux autres, à d'autres choses qu'à soi. Donc voilà, pour moi, en fait, finalement, le développement personnel, devenir une meilleure personne et l'écologie, qui sont mes deux passions, ce sont vraiment deux choses qui fonctionnent très, très, très bien ensemble. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de t'apporter aussi à toi, c'est que j'ai envie que avant tout ce que je propose en écologie citadine, ça te serve à toi, égoïstement, en tant que personne, parce que voilà, ça va servir la plus grande cause de manière, j'ai envie de dire, naturelle, mais voilà, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi. Donc pour revenir au sujet du début, qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Moi, aujourd'hui, j'ai deux questions qui me préoccupent, c'est que, d'une part, je cherche à simplifier ma vie, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu imagines, mais derrière un blog, derrière une chaîne YouTube, il y a tout un tas de systèmes, il y a des outils, enfin c'est quelque chose qui peut être très complexe. Il y a aussi la page YouTube, il y a la page Instagram, quand on est une seule personne, ça fait beaucoup de choses. Et voilà, je réfléchis
à comment est-ce que je peux t'apporter le plus de valeur possible, mais en me simplifiant la vie, c'est-à-dire sans passer des heures à faire 10 000 trucs qui ne sont pas forcément constructifs. Et c'est quelque chose, voilà, c'est vrai dans Écologie Citadine, mais c'est vrai aussi dans ma vie de manière plus générale. Si tu es déjà cliente, par exemple, de mon produit pour les cheveux ou de mon produit pour la peau, ce que tu as pu constater, c'est que c'est un système qui est extrêmement simple. Il y a tout un tas de règles, de conseils qui vont avec, mais le système de base est simple parce que, en fait, la simplicité, c'est ce qui marche le mieux, tout simplement, à mon sens. Enfin, c'est vrai pour plein de choses. Et donc, c'est aussi ce que j'ai envie de te proposer, donc de te faire partager tous ces systèmes pour que toi aussi, tu puisses simplifier ta vie. Et la deuxième chose qui me préoccupe, c'est de gagner ma vie, hein, tout simplement. Écologie Citadine, ce n'est pas une association, ce n'est pas un blog gratuit, c'est une entreprise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit la kinésiologie ou tous les produits qui sont vendus dedans, ils vont à l'entreprise. Et j'espère pouvoir un jour me payer grâce à ça. Ça veut dire aussi que je vais te vendre des choses et que, voilà, que j'étais peut-être déjà vendu des choses, que je vais continuer à le faire. Je sais qu'il y a des gens qui ont un problème avec ça, le fait que protection de l'environnement, ça devrait être quelque chose qui est gratuit. On devrait faire ça sans demander d'argent en retour. Si c'est ta façon de penser, je le respecte. Tout simplement, moi, je ne partage pas cette vision des faits. Moi, je crois que, en fait, je me donne le droit tout simplement de vivre de ma passion. Et je pense que je peux à la fois gagner ma vie et t'apporter beaucoup de valeur et contribuer au bien-être général des gens et de la planète. Donc, en fait, pourquoi est-ce que je me priverais de le faire, tout simplement, puisque c'est un système où tout le monde est gagnant. Enfin, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Là, le système que j'ai envie d'essayer, donc que j'ai un petit peu commencé, mais que j'aimerais mettre en place de manière un petit peu plus pérenne, c'est te proposer 5 emails par semaine. Donc peut-être tous les jours de la semaine, peut-être le week-end, je ne sais pas encore trop comment je vais faire ça, mais l'objectif, c'est 5 emails par semaine. Et dans ces emails, il y aura soit, donc ça pourrait être simplement du texte, peut-être que ça amènera vers des vidéos, peut-être que ça amènera vers des podcasts, voilà, j'ai envie d'essayer plein de trucs. Le but de ces emails, c'est avant tout de te divertir, c'est que ce soit amusant, j'ai envie de m'amuser à les faire et j'ai envie de m'amuser à ce que toi, tu les reçoives. Voilà, peut-être que pour toi, ce sera beaucoup, peut-être que ce sera pas beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que si jamais tu n'arrives pas à les lire tous et que ça t'angoisse, soit ne les lis pas tous, hein, c'est pas grave. Tu as le droit de mettre directement un mail à la corbeille sans le lire, c'est pas la fin du monde. Et tu peux aussi toujours te désinscrire si vraiment c'est trop pour toi. En bas de tous les mails, il y a toujours un lien pour se désinscrire. Donc, il te suffit de cliquer dessus et tu ne recevras plus les mails. Si tu as cliqué que tu les reçois toujours, écris-moi et je ferai en sorte que tu ne reçoives plus les mails. Mais voilà, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, ce que j'ai envie de te proposer, c'est une information donc quasi quotidienne qui va t'apporter des choses, que ce soit en t'enseignant quelque chose ou en t'amusant ou voilà, en te donnant des informations. Il y a des gens qui lisent la presse et les actualités tous les jours. Ça prend un certain temps et à mon sens, c'est quelque chose qui est très négatif pour le coup, parce que ce qu'on voit dans l'actualité, c'est une actualité, c'est-à-dire c'est tout ce qui se passe de mal et de horrible dans le monde. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi les gens continuent de faire ça. Les gens ont cette pulsion de tous les jours aller voir les trucs horribles qui se passent dans le monde alors qu'il se passe aussi plein de choses formidables. Donc voilà, les deux sont vrais en fait, et c'est simplement un choix de vers quoi j'ai envie de porter mon attention. Ça ne veut pas dire que j'ignore qu'il se passe des choses mauvaises, mais ce serait bien aussi de ne pas ignorer qu'il se passe plein de choses cool et rigolotes et sympas. Moi, je pense que ça a plus de valeur, c'est plus intéressant parce qu'on se sent mieux en fait, de plus porter sur son attention sur ce qu'on peut maîtriser et sur ce qui va nous rendre de meilleure humeur et nous faire nous sentir bien, parce que c'est ça qui va être constructif et qui va faire qu'on va, on va aller de l'avant de plus en plus, que de se concentrer sur il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, sur des choses sur lesquelles on ne peut rien faire. Donc c'est terriblement effrayant.
Donc voilà, j'ai pas envie de ça. J'ai envie de te proposer des choses où tu vas t'amuser. Tu peux le prendre comme ça, voilà, comme si tu lisais ton journal du matin. Ben, à la place, je te propose une information et t'en fais ce que tu veux. Dedans, il y aura des contenus. Je vais essayer de faire des contenus amusants. Je vais te raconter des anecdotes. Je vais essayer de t'apprendre des choses. Et bah aussi, je vais te proposer d'acheter des produits. Encore une fois, tout ça, ce n'est que des propositions. Donc, si tu ne m'achètes jamais rien, tu auras tout autant le droit de continuer à lire les contenus que je propose. Si tu as envie d'aller plus loin parce que tu estimes que ce que je te propose, c'est intéressant et qu'il y a une vraie plus-value pour toi, et ben dans ce cas, tu es libre aussi d'acheter ce que je propose. Voilà, c'est un petit peu les règles du jeu. J'espère que ça va te plaire, bien évidemment. Et encore une fois, ben, si ça ne te plaît pas, ben, c'est bien dommage, mais tu es totalement libre de te désinscrire. J'accepterai parfaitement ton choix. Si tu as des suggestions à me faire, bien sûr, elles sont les bienvenues, hein, parce que le but, c'est de t'écrire pour toi, en fait, hein, pour que ça t'apporte quelque chose. Donc, toutes les suggestions seront les bienvenues. S'il y a des formes de contenu que tu aimes particulièrement ou que, au contraire, tu n'as pas aimé, n'hésite pas à me le faire savoir. Pour l'instant, je réponds toujours aux mails. Je ne sais pas si je pourrai toujours en fonction de la masse de trafic, mais jusqu'alors, j'ai toujours répondu à tout le monde. Donc, surtout, n'hésite pas. Je lis tous les mails personnellement et c'est toujours moi qui réponds. Donc voilà, je serais ravie de lire tes commentaires et tes suggestions. Je te dis à demain pour le prochain contenu et je te souhaite une très bonne journée. Salut !